Dieu à au diable. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui est l'auteur de toutes choses, c'est Dieu. Tout ce qui existe a existé par la volonté de Dieu. Personne n'a existé par sa propre volonté. Alléluia. Amen. Donc si tu es vivant, si tu es aujourd'hui, c'est parce qu'un jour Dieu a décidé que tu sois. Ceux qui ne l'ont pas, moi, ceux qui ne l'ont pas, mais ils pensent jamais à ces pères qui ceux qui m'ont cano au sala. Tu n'as pas choisi de naître dans la famille dans laquelle tu es. On peut n'a quitté au bout de la tu n'as pas choisi la race que tu as aujourd'hui. On peut n'a quitté le poste au sala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu y existes. Au sali. Et que si tu existes, parce que il y a une raison pour laquelle tu existes. La Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Tout ce qui existe, existe parce qu'il doit répondre à un besoin. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu a créé l'homme parce qu'il voulait que l'homme puisse le représenter sur la terre. Lui, il règne dans le ciel. Mais sur la terre, ce n'est pas lui, c'est l'homme. La Bible dit qu'il a donné la terre au fils de l'homme. La gestion de la terre, c'est à l'homme. Il dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il dit qu'il puisse dominer, qu'il puisse assujettir, qu'il puisse influencer, qu'il puisse orienter les choses, qu'il soit maître. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Et il y a un adversaire de Dieu qui a commencé d'abord à combattre Dieu au ciel. Il n'a pas réussi. Il a été chassé. Quand on l'a chassé, il regarde sur la terre. Il voit l'homme. Il dit cet homme, il a l'image de Dieu. Si je le combats et j'arrive à le vaincre, c'est que j'ai vaincu Dieu. Alléluia. Il est venu. Aïe. Et il a vaincu l'homme en le conduisant dans les désobéissances. Les programmes de Dieu, les desseins, la vision de Dieu avait échoué. Alléluia. Il avait échoué. L'homme qui devait régner, il a perdu le pouvoir. Il a perdu la connaissance. Il a perdu la communion avec Dieu. Mais écoutez, Adam n'a pas demandé à Dieu. Adam a sengaki nzambe te. Il est restauré. Et ye azongi se peza lesika na. Adam quand il a péché. Adam a sumuki. La première des choses. Et loko liboso. C'était de fuir. Ezaki apakatambango. Alléluia. Amen. Dieu Zambé n'était pas surpris. Il était omniscient. Ça n'a pas étonné Dieu. C'est tout ce qui peut arriver. Ça peut t'étonner. Ça peut étonner les gens autour de toi. Mais c'est Dieu. Il n'y a pas de surprise. Il connaît d'avance les choses qu'il doit faire. S'il connaît d'avance, il prend des précautions. Il prend des précautions. Amen. S'il connaît d'avance, il doit prendre des précautions. Voilà pourquoi j'ai dit, selon Joël, Chapitre 2, verset 25. Qu'est-ce que moi je comprends quand je lis ce passage? Joël, chapitre 2, verset 25. Je vous restituerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, les grillons, les criquets, la chenille, ma grande armée, pour dire ceux qui vous détruisent sont sous mes contrôles. Alléluia. Amen. Il dit ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Alobi ngai ma pinga nanga moné na tinde pa na bino. Mais bien aimé, balingami, c'est Dieu
Zambé qui a pris l'initiative de couvrir la nudité de l'homme. C'est Dieu Zambé qui a pris l'initiative. Il a pensé à l'homme. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'ai interdit? Dans mon lieu d'assumer. Moto ne sikandima. Il dit ce n'est pas moi. Alobi eh ngayangani. Eh mais bien aimé cette attitude. Balingami. Lolenge wana biso na tozalaka nango. Nous ne voulons pas assumer. Tondi makate. Ça n'a pas marché. Eh et Simba kité. C'est à cause de X. Ezali pona songolo. C'est à cause de Y. Ezali pona pakala. Alléluia. Amen. Amen. On n'assume pas. Biso tondi makate. Dieu dit, oh Zamba c'est la femme que tu m'as. Hein? Motalobi, moi sur Pessingaï. Si j'étais seul. Alobi, ceux qui n'ont pas vu cette situation. Ceux qui n'ont pas vu mon Zemba, Ndeli Kamboye. Je se tourne contre la femme. Nzambe Abalou Kelimoisi. Il dit pourquoi tu as fait ça? Pour il dit ce n'est pas moi. Alobi, eh, Ngayangani. Il dit c'est le serpent. Alobi, Ezanyoka. Pour dire si le serpent n'était pas là. Bon, Akoloba, ceux qui n'ont pas vu. Il est arrivé. Oh, eh, yé. Elle n'a qu'à y aller. Je ne parle chez le serpent. Parce que le serpent est serpent. Yeah, okay, pa, nyoka, te, pa, nyoka, zana, yeka, le serpent est en train de faire son travail qu'il doit faire. Nyoka, azo, kokisa, zela, na, la Bible dit. Bibelo, bi. Le voleur Moïbi, il ne vient que ayaka, bobele, voler, koyiba, écorcher ko, et boba, détruire. Beko, panza. Vous ne pouvez pas demander un autre rôle. Yoko, pe, sa, ye, ti, na, mususu, te. C'est son travail, c'est son ministère. Eza, musala, na, lo, tomo, il est là pour ça. Azali, wana, po, nango. Voilà pourquoi. Talatina. Un jour, je lisais l'histoire de David et Goliath. Souvent, je suis en train de lire les Goliath de ma vie. Je me lève contre les Goliath de ma vie. Mais ce côté de David. Mais si tu lis David. David l'a dit. Il dit que personne ne se décourage. À le but moto à l'embatté. À cause de ces Philistins. Pour la Philistie à eux. Pour dire. Pour la Koloba. Goliath n'est pas la cause. Goliath a sali tinaté. Luka cause na yo ici comme ça. Cherche ta cause ailleurs. Sans besoin de se décourager. Si tu te décourages. Et ça pour un problème ou un. Ce n'est pas pour ce problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as des soucis, ce n'est pas pour manque de papier. Cherche ta raison ailleurs. Il dit, Goliath, alors, lui, n'est pas la cause. Goliath a zali, tina yale kamonote. Alléluia. Amen. Parce que tu fais ou pas, Goliath ne sait pas créer. Goliath a mis kelate. Goliath, c'est Dieu qui l'a créé. Goliath nzambe mutakela ye. Dieu l'a créé pour un but. Nzamba kela pour na tina moko. Si Goliath n'existait pas. Ce qui Goliath a zalakate. David. Ne serait pas connu. Nda yeba na te. Les déceptions doivent être. Amen. Ebongi les échecs doivent être. Ebongi ko sangezala. Les disputes doivent être. Ko soane bongezala. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ça le problème. Si ça existe, c'est pour que Dieu puisse montrer que Dieu. Il doit démontrer sa force, sa grandeur au travers des situations. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Il dit à l'Obi. Il y a encore de l'espoir. Eli Kezananou. Il dit la postérité de la femme. Alobi bongo mo bakitani à moi. Je parle que non. Zama l'obité. Je veux récupérer la situation. Ngai peza na kozwa likambo. Je veux te récupérer l'homme. Ngai na kozwa yo moto. Je veux te remettre dans ta position. Na kozongi son e bonga na yo. Tu mangeras encore le fruit de l'arbre de vie. Okolia lesusu mbuma ya nzete ya bomo. Alléluia. Donc pour vous dire. Pona koloba. La restauration. Restauration est obligatoire. Yango peza zali obligatoire. Amen. Amen. Le premier principe de la restauration. Et là, quoi, la restauration. La restauration. Restauration. Est obligatoire. Et ça est obligatoire. C'est-à-dire quoi? Et l'incolobanini. Dieu lui-même. Zabe Yemoko. S'est engagé par un serment. Alapinda ipenza. Dieu s'est engagé par une alliance. Zabe akoti na boyokani. Que. Ete. À la fin. Nasuka. Moi l'Éternel. Ngai Yahweh. C'est moi qui va régner.
À la fin, c'est moi qui aura le dernier mot. Il dit au peuple d'Israël. Il dit, c'est vrai, j'ai envoyé les sauterelles. Ils ont tout dévoré. Ils vous ont causé beaucoup de malheurs. Mais je ne peux pas oublier l'alliance que j'ai faite avec Abraham. Parce que ce peuple-là tire son origine d'Abraham. Or, avec Abraham, non simplement que Dieu a fait la promesse à Abraham, mais Dieu agit. Nous avons des promesses. Mais nous avons aussi des promesses liées par un serment. Quelle est la différence? Tu as la promesse. Dieu te dit, je te le verrai. Je te bénirai. Je te rendrai un homme grand. Ça, c'est la promesse. Mais ces promesses sont liées à des conditions. C'est-à-dire, si tu ne remplis pas les conditions, Dieu n'accomplira pas. Tu peux le traiter de menteur. Mais, il est véridique. C'est-à-dire quoi? Il y a toujours un si. Alléluia. Amen. Il dit, si tu demeures dans ma parole, il dit, demandez tout ce que tu veux. Il vous sera donné. De fois, nous prions. Demandez, Seigneur, tu as dit. Demandez, il vous sera donné. Et plus loin que le même Dieu l'a dit. Si tu obéis, donc je te bénirai. Mais par contre, il y a une autre dimension de choses. Où Dieu n'attend pas l'obéissance de l'homme pour accomplir ce qu'il doit accomplir. Il dit à Abraham, parce que tu as posé cet acte, parce que tu m'as montré combien tu es obéissant, attends que tu voudrais me donner ton propre enfant. Je le gire par moi-même. Donc pour dire à Abraham, maintenant ce n'est plus ton affaire. C'est mon affaire. Ezali Kambodangaï. Dis je le gire. Alobina Lapindaï. Je te bénis. Nako Pambola yo. Ta postérité. Bakita nina yo. Sera comme les étoiles du ciel. Bakoza lokola minzoto yalikolo. Et ça sera comme les grains de sable de la. Bakoza lokola zelo ezali penebali. Il y a deux postérités là. Tu sais mon abo bakita ni bale. Les étoiles du ciel. Minzoto yalikolo. C'est l'église. Et c'est l'église. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes les enfants d'Abraham par la foi en Christ. Alléluia. Dans Galates chapitre 3, verset 7, il est dit, Galates 3, 7, ceux qui ont la foi sont le fils d'Abraham. Bazali bana ya Abraham. Dans Romains chapitre 4, dans Romains 4, de 15 à 17, 15 à 17, Romains 4, la Bible dit, il est le père de croyants. Alléluia. Amen. Donc pour dire quoi? Pour ton histoire remonte avec Abraham. Et où est Abraham? Yes. Et il parle de la postérité terrestre.